Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Vous avez peut-être suivi qu'il y a une plainte pour viol sur mineur maintenant contre ce fameux Babybel, puisqu'il y a un jeune qui explique voilà, que quand il avait 15 ans, il se rendait à ses soirées chez lui parce que il avoue, il y avait Jérém Star, voilà, il voulait voir Jérém Star, et qui s'est réveillé un matin avec Babybel qui était en train de lui faire une fellation. Donc c'est quand même assez grave. Et actuellement, du coup, Jérém Star il a déposé plainte, évidemment, au parquet de Paris dès le lendemain de l'emballement de l'affaire. Une enquête a été ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, et sur son compte Instagram, il a expliqué dans un long communiqué que tout cela le répugne, qu'il n'était au courant de rien, et puis il conteste totalement les faits finalement, et il explique maintenant, depuis hier soir en fait, qu'il se désolidarise totalement de Pascal Cordona. Et puis on pourrait se dire voilà, est-ce que ça serait pas le Cardona Gate plutôt que le Jérém Star Gate finalement, le Babybel Gate hein. Après ils sont tout le temps ensemble, c'est chic. Effectivement, en tout cas c'est ce qu'a déclaré hier dans son dernier communiqué de presse. Et c'est à la justice maintenant de se prononcer, bien sûr. Effectivement, des communiqués écrits par ses avocats et lui-même. Alors justement, que risque Jérém Star, ma petite Cynthia? Alors en premier lieu, vous le savez, il a été suspendu d'antenne sur C8 jusqu'à nouvel ordre. Et pour ceux qui le suivent, vous le suivez, vous avez remarqué qu'il est carrément plus absent des réseaux sociaux. Après, on n'a pas vraiment d'éléments supplémentaires encore. Il convient de rester prudent, puisque la justice et la procédure en cours doivent éclaircir pas mal de zones d'ombre. Et les internautes ont beau poster des preuves sur les réseaux sociaux, il faut savoir faire le tri aussi entre le vrai et le faux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'il est prouvé que Jérém Star n'a rien à voir avec tout ça, son image, elle, va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. C'est clair. Ça, c'est sûr. La famille, une histoire pas très marrante. Même si on n'aime pas Jérém Star, évidemment, on ne peut pas lui suivre ce qu'il y arrive, en tout cas si c'est faux et s'il si est fait. Si c'est faux. Évidemment. Alors, c'est vrai que le sujet est un peu épineux, mais il faut savoir que Jérém Star a quand même un petit peu remué un petit peu le bordel pendant des années, pour être poli, et souvent en faisant des articles ou des Snapchats complètement faux dans le seul but de faire du mal ou de la mauvaise publicité à certaines personnes. Par exemple, moi, animateur d'El Mad Magos, comme je disais à l'époque, j'ai créé un truc, carrément. Une cible facile, j'étais pour lui. Alors, c'est vrai qu'il a fait des excuses à mon encontre publique en disant qu'il aurait jamais dû faire ça, mais c'est vrai que quand on se fait insulter de pédophile et qu'on se lève avec 9000 tweets salut le pédophile, et que t'es avec la même nana depuis 7 ans, c'est compliqué, etc. C'est grave. Alors, on rigole comme ça, mais c'est vrai que quand ça t'arrive, t'as même pas envie de sortir de chez toi. Donc, en fait, j'entends par là, sans l'incriminer évidemment, que oui, très certainement, sa vie privée a été mise à mal, comme il le dit dans le communiqué, mais il ne faut pas oublier qu'il a lui aussi mis à mal beaucoup de vies privées. C'est son fonds de commerce, quoi. Évidemment. Après, en tout cas, c'était. Peu importe le dénouement, il va forcément, je pense, changer un petit peu ses méthodes, parce qu'il va comprendre. Pas le choix. Ça, c'est sûr. À mon avis, peut-être se concentrer sur Ardisson, là, au moins, c'est valeur sûre. Cela dit, si cette histoire est fausse, très important, les amis, parce que les preuves, on les a pas encore, enfin, entre guillemets. On peut pas. Il y a que de l'audio, en fait. Exactement. Hein. Donc, c'est surtout Pascal Cardona qui est incriminé. Alors, Jérém Star, comme il est dans son entourage, vous connaissez les polémiques. Cela dit, je vous disais, si cette histoire est fausse, c'est quand même bien dégueulasse de faire ça à Jérém Star, parce que c'est très important. On dit que la roue tourne, mais le jeter dans la boue de la sorte, s'il a rien fait, c'est pas parce que Jérém Star a fait du mal que c'est une excuse pour ces genres de choses. Ça, c'était très important. Et d'ailleurs, évidemment, vous l'avez dû le voir sur les réseaux sociaux, quasiment toutes les stars de télé-réalité ont manifesté cette semaine leur joie de voir Jérém Star traîner dans la boue. Tout de suite, un petit medley en vidéo, la famille. Jérém Star. Jérém quoi, Jérém qui? Toi, qui ramasse les gens de télé, soi-disant la petite cuillère. Qui va te ramasser? Mais qui êtes-vous? Qui demandez-vous, monsieur? Je comprends pas. Qui va aller faire des bains, là? Qui va oser aller mettre son cul dans son bain? Qui va se poser sur la baignoire avec les canards? Pff, honteux. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir dans ma baignoire. Toutes ces années de travail. Toutes ces années de travail à faire des interviews dans un bar. Payer du personnel. Créer un buzz, un concept. Plus loin! Ma verbine en bamba. Et pour toi, on était juste des merdes de télé.
On était juste des merdes de télé-réalité. On te faisait vivre. On te faisait vivre, on te ferait. Mais il y en a une partie qui était un peu con, qui allait poser ses fesses dans ta barre pour te raconter un peu les dessous des programmes, essayer de faire un peu du buzz. Eh bien, ouais, ouais. Et ouais, c'est comme ça. La vie la retourne toujours. Spenga venga! La retourne, la retourne, pa 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 la. J'espère que la retourne va tourner pour lui. Moi, tu peux critiquer des gens comme ça, faire tout ce qu'il fait. Et après, il y a des trucs comme ça qui sortent. C'est bizarre. Ça veut dire que le mec, il te demande des trucs sur tout le monde. Alors qu'il a des dossiers sur lui énormes. Les candidats de télé-réalité, évidemment, hein, la famille qui ne rate pas une occasion d'en remettre une couche, ils sont connus aussi pour ça. Et justement, la famille, on ouvre donc le débat, puisque vos avis nous intéressent, hein, sinon je ferai l'émission tout seul et ça n'a pas d'intérêt. Suivez-vous ou suiviez-vous Jérém Star, ma petite Flora, pour commencer? Oui, alors moi je le suis depuis plusieurs années. Alors au départ, c'était parce que je travaillais chez Énergie 12, donc j'étais obligée de me tenir Oui, ouais, tu, voilà, petite info. Coïncidence, je crois pas. Et du coup, c'est vrai que je le suivais. Je l'aimais ni bien ni mal, j'en avais un peu rien à faire, pour être honnête. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur une interview. J'ai passé la journée avec lui et franchement, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à trouver un petit con. Et franchement, pas du tout, c'est un mec... Alors, voilà, c'est un peu bizarre de dire ça peut-être aujourd'hui, mais je trouvais que c'était un mec intelligent qui savait où il allait et un bosseur vraiment, et un mec super sympa qui était là pour les gens. Dès que les gens voulaient prendre une photo, il était hyper sympa avec les fans. Et voilà, donc depuis ce jour-là, c'est vrai que moi je l'aime bien et que je le trouve pas si mal intentionné que ça. Donc voilà. C'est pour ça que tu es là, à voir. Pour donner ton avis. Merci, ma Cynthia, qu'en penses-tu? Ouais, moi je trouve que c'est un personnage assez divertissant. Je le suivais sur Snapchat, il me faisait rire, mais non, il a des stories beaucoup trop longues et je l'ai enlevé du coup. Ah, t'es là. Clac, ouais, t'en peux plus, à un moment ça charge. Moi j'ai un petit trait comme ça. Ouais, mais c'est ça que les gens aiment chez lui, il montre tout. Tu feras attention quand tu dis 20 petits traits. On comprend pas bien ce que tu dis. Ma petite Rachel. Alors moi, j'ai parlé avec Jérém Star au moment, juste après ma sortie de Secret Story. D'accord. Et c'est vrai que moi je lui ai annoncé que le bain c'était hors de question que je le fasse. La douche à la limite. Et encore. Et il m'a dit, écoute Rachel, il n'y a pas de problème, on peut faire le pyjama, ce qu'on appelle le pyjama. Pyjama party, exactement. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé que justement sa réaction était quand même plutôt satisfaisante, parce que pour le coup il voulait même changer un petit peu l'ambiance pour moi, parce que je lui avais énoncé le fait que le bain c'était hors de question, que je me foute en maillot de bain et répondre à ses questions. Et il a été plutôt cool là-dessus. Après, le personnage, moi je ne le suis pas pour plusieurs raisons qui me sont propres, mais... Je pense pas qu'il soit méchant, mais c'est son fonds de commerce, encore une fois. Donc, mi fig, mi raisin. Exactement. Merci, ma Rachel. Excuse-moi, j'étais en Bluetooth avec Elodie. On se regarde. Les garçons, vous n'êtes pas vraiment intéressés par la télé-réalité, mon beau boy. Non, pas trop. Merci pas du là. Tout. Non, je peux continuer. Je peux, vas-y. Voilà. Mais pour revenir sur la télé-réalité, Jérém Star. Non, pas du tout. Ça m'intéresse. Ça vole très, très haut, hein, normal. Mais par contre, juste pour dire pour Jérém Star, c'est vrai qu'il s'est fait connaître quand même sur ses premiers buzz, si je reviens tout au début, en se mettant tout nu. Il y en a pas mal chez Morandini. Oui, mais ça, il le dit actuellement. Non. Je l'assume totalement. Les images qui peuvent sortir, des images de vie privée, quand elles ressortent, ça fait. J'ai lu le communiqué de presse aussi. J'ai vu sans aucun problème. Et comme à un moment, il t'a tapé aussi dessus, donc ça a été, c'était pédophile. C'était la même chose aussi, donc c'est tu sèmes, tu récoltes un moment, et là ça devait retomber sur lui, et c'est maintenant. Cynthia, moi personnellement, je le connais pas dans la vraie vie, c'est pas un ami, mais j'espère que c'est faux. Moi, Jérém Star, j'arrive pas à le visualiser. Il y a des histoires comme quoi il a fait partie de soirées de partout avec des mineurs, mais je visualise pas ça, je le vois pas du tout comme ça. Ça me en tout cas, c'est vrai qu'on n'espère pas, parce qu'il nous aurait berné pendant beaucoup d'années, Rachel. Après, quand on entend des audios où il dit je hurle parce qu'il y a un petit gamin, excuse-moi du terme, c'est un petit gamin qui est chez son ami et qui lui dit, t'as une coupe extraordinaire, je hurle, j'adore, machin, etc.
C'est limite, parce que ça reste des mineurs. Non, c'est vrai que ce qui ressort, c'est des snaps où, évidemment, Jérém Star a une complicité avec Pascal Cardona en disant... Il serait au courant et qu'il n'ait rien fait, pas lui qui a... Bien sûr. De ne rien dire, c'est totalement mais ce serait autant dégueu. Voilà, ce serait dégueulasse. Ah, c'est de la complicité de tout ça. Et surtout qu'en plus, Martial, j'ai lu un petit peu... C'est moi. J'ai lu une petite description quand même, parce que le Pascal Cardona, c'est un mec, un quadragénaire, un peu grassouillé. Enfin, lui, pour le coup, ça fait vraiment, quand tu lis la description, ça fait vraiment pervers sexuel. Oui, ça fait un peu le cliché. Donc, et c'est ça le gros problème aujourd'hui dans ce genre de milieu, c'est qu'il va y avoir des soirées organisées. Et c'est ça, en fait, derrière, tu vas avoir des prédateurs sexuels qui vont être là et qui vont être avec des mineurs. Et déjà, de faire des soirées avec des mineurs, moi, je trouve que c'est. C'est pas possible. Non, mais voilà, de toute manière, c'est vrai que les messages qu'on a entendus pour notre petit secret, on a bossé un petit peu pour notre petit secret, il dit à des gamins, tu viens, tu payeras rien, et puis pendant 5 minutes, je te pomperai avec ton mec. C'est vrai que. Ah oui, non, mais. Sur les messages vocaux, ça fait froid dans le dos. Pourquoi la famille Pourquoi il y a un pourquoi qui traîne. Je ne sais pas pourquoi. Quel est votre avis sur cette affaire? C'est un pourquoi que j'avais refourgué de la semaine dernière. Quel est votre avis sur cette affaire, ma petite Flora? Est-ce que pour toi, c'est du buzz, du bad buzz? C'est vrai, c'est pas vrai? Comment le ressens-tu, ma chérie? Non, moi, le truc, c'est que je suis persuadée d'une chose dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc je pense qu'effectivement il y a eu des choses très limites. Maintenant les preuves audio, c'est la justice qui va trancher à savoir si elles sont recevables ou pas. Si vraiment c'est elles en sont. Cours, hein. Voilà donc oui. Ça pour l'instant on peut pas savoir. Moi j'attends de voir. Après le personnage est quand même excentrique donc je me dis c'est possible qu'il ait dérapé, c'est possible que tu sais il est un peu coquin, il y a quand même ce truc là chez lui. Donc non mais c'est pas coquin de voir un mineur se faire sucer par son pote. Non, mais je veux dire excentrique. Non mais du coup il est excentrique, il est un peu comme ça donc ça m'étonne, enfin je me dis qu'il est à la limite et que ça pourrait être arrivé. Mais il a surexposé sa vie avec Snap, avec tout, à un moment, quand justement, tu surexposes... Justement, débat, allez-y, la famille. Ouais, quand tu surexposes ta vie tout le temps sur les Snap, manière, la story pendant des heures et des heures. De toute manière, en ayant 1,5 million de fans sur les réseaux sociaux, tu es une cible. Et plus les fans, plus la cible est grande. Je donne la parole à Bishop, ma Rachel, excuse-moi. En fait, moi, déjà, ce que je trouve un peu ridicule sur cette affaire, c'est que c'est le Aqua Babe là, qui a balancé ça. Tout ça parce qu'on lui a volé, un scoop sur un scoop à la con. Mais il le dit que c'est de l'ego, Aqua Babe. Oui, non, mais clairement, mais c'est surtout qu'en fait, c'est-à-dire que ce mec-là était au courant de ce genre de choses, n'a rien fait, et juste parce qu'on lui a volé un scoop de merde, décide. Et donc là, pour moi, lui, il doit être aussi être mis en cause parce qu'il a été, enfin, il était au courant et il a rien fait. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi ça sort maintenant et tout le monde a l'air d'être au courant depuis des années, dans des preuves et tout, et hop, ça balance. Mais que c'est dur de sortir des choses comme ça. Ouais, mais non. Mais on débat. La famille, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on suit un petit peu Jérém Star, qu'on a rien à lui. Dis-nous, Maëlo. Ce que Cynthia disait là à l'instant par rapport à toutes les preuves, etc., si elles ne sont pas sorties avant, c'est parce que quand Aqua Babe a sorti la vidéo de Jérém Star en train de se masturber, il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit tiens, c'est le moment de parler. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout est sorti d'un coup. Ouais. Et Aqua Babe s'en est sorti un peu. C'est toujours le premier qui sort et après, ça. De toute manière, c'est comme Balance ton port. C'est un effet de masse, comme on dit. Pour les électriciens, c'est un effet de masse. En revanche, la famille, ce qui est très important, c'est que, comme le disait Cynthia, on espère pas nous que ce soit vrai parce que il fait aussi son beurre, mais en même temps, comme le dit Julien, avant de passer à la troisième question, comme le dit Julien, c'est vrai que qui sème le vent récolte la tempête. C'est vrai qu'il s'est beaucoup affiché et qu'il avait, pour le connaître un petit peu, une sorte de petite suprématie personnelle. Comme un président de la République pour dire oh, le boss ici c'est moi, et c'est vrai que sur Internet, sur Snapchat, le boss c'est lui. Et sur Internet, sur sa page, quand tu vas sur sa page en premier, si vous avez un scoop, contactez-moi direct, c'est marqué en gros sur sa page en première. Ouais. Bah, il a des petites. Après, quand on voit les snaps d'Aqua Babe, on voit bien que le mec il a un peu 12 ans, 13 ans, il a. Bon, c'est vrai que c'est très très gamin, mais ce qu'il balance c'est très très grave, et par les temps qui courent avec le combat féministe, le combat pour la liberté, le combat, etc. Marachelle, avant de vous poser la dernière question. Les jeunes. S'il vous plaît, pas pour des photos, pour des dédicaces ou des choses comme ça, ne vous faites pas avoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment. Oui. Surtout pour une photo, à la limite pour 100 balles. Bon, toi, si t'es en galère, bon. Ah, c'est ma petite blague, Jean-Marie Bigard. Faites attention à vous, quoi. Évidemment. Moi, j'ai déjà proposé, mais même pour 2 euros, on ne veut pas prendre en photo. Pascal Cardona, il l'a croyé, pas toi. Non, pas toi, ça ne va pas être. On sait qu'on fait attention aux vannes, évidemment. Ouais, moi, je suis vache qui rit, mais j'ai décidé de changer. Tu es vache qui rit, vanne de trop, fais attention. On sait que malheureusement, ce genre de choses existe dans le showbiz. Je parle évidemment
notamment de réseau pédophile, mais en tout cas on en parle, on en a déjà entendu parler. D'harcèlement sexuel, on va dire. Pour vous donner quelques exemples, il y a des anciens hommes politiques qui ont écrit des livres en expliquant très naturellement, comme l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, qui expliquait que lui, il allait en Thaïlande pour se taper des jeunes, ça ne lui posait aucun souci. C'est dans un livre, donc je ne raconte pas n'importe quoi. À votre avis, la famille, pourquoi tout le monde se tait, donc on en parlait, et pourquoi ces gens-là, les gens donc, qui gèrent un peu ces réseaux, ou en tout cas qui sont dans ce genre de trip, d'ego trip, pourquoi ces gens-là sont-ils souvent un petit peu au-dessus des lois, comme c'était le cas jusqu'à maintenant? Pourquoi ça prend autant de temps, mon cher Alexandre Chemla? Bon, alors vous m'avez pas entendu dire un mot depuis tout à l'heure sur ce débat. C'est rare, mais oui. Pour la simple et bonne raison que pour moi, il n'y a pas de débat, parce qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'histoire. Pour moi, ce Jerem Star, c'est rien, c'est personne, c'est une coquille vide. Et je suis même choqué qu'on passe autant de temps à parler de lui et de cette histoire-là. Voilà, ça c'est fait maintenant. Tu veux que j'annule tout? Non, voilà, c'est fait. C'est pour ça que je vous ai laissé parler. Je peux tout annuler. Si j'avais dit à la prof, il y a un panneau qui est prêt. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Il y a 1,5 million de followers, donc il y a forcément des gens qui sont intéressés par ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que toutes ces personnes-là qui ont bâti leur notoriété sur du vide, sur du rien, faire parler d'eux et continuer à alimenter le buzz aujourd'hui, moi je suis pas dans cette mouvance là. Maintenant, pourquoi tout le monde se tait dans ce milieu là et pourquoi ça s'est pas su avant? Parce que je pense que dans ce milieu là qui est la télé, les médias, etc., je pense que c'est pas le seul. Je pense que beaucoup de gens ont des casseroles derrière eux et on n'a pas envie d'être le lanceur d'alerte, de se mouiller de peur d'avoir des représailles et de se faire balancer soi-même. Donc voilà, moi sur Jerem Star et sur toutes les personnes de télérité, c'est des personnes qui ont le droit d'exister, bien sûr, le droit de faire ce qu'ils font, mais moi personnellement, c'est pas des gens qui vont m'intéresser, qui vont me choquer, qui fassent X, Y ou Z, je m'en fous, je veux pas commenter là-dessus. C'est... Très bien, mais écoutez, je vous nomme ministre de la justice, mon petit Bishop. Moi j'étais du même avis qu'Alexandre, honnêtement, quand j'ai reçu la news là en début de semaine, j'étais pas, enfin ça m'enchantait pas de faire une news là-dessus, mais après je me suis dit, en fait le problème c'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est surtout de la prévention auprès des mineurs, et surtout de leur expliquer de ne pas aller à des soirées avec des gens majeurs. Moi j'étais jeune, je faisais des soirées avec des gens de mon âge, je m'amusais, je faisais tout ce que je voulais. Et au-delà de ça, même par rapport à ce genre de choses, pourquoi les gens se taisent? C'est, on l'a vu avec Harvey Weinstein dans le scandale cinéma, il a fait ça pendant 20 ans, 30 ans, et en fait le problème c'est que les gens qui veulent bosser dans ce milieu-là ne veulent pas que leur carrière s'arrête. Tu sais très bien que si tu balances derrière et que t'es la première et que personne ne suit, s'il y a personne qui suit, tu vas accuser, on va rien te dire. Et puis c'est pas facile aussi d'aller à la police, c'est de dire, c'est sûr. Et donc t'as ça, donc t'as la peur, et t'as aussi, dans le cas de Jerem Star et compagnie, c'est surtout la peur de pas être pris au sérieux. C'est à dire que quand t'as une personnalité en face de toi, que toi t'es un mineur de 15 ans, que tu t'es, que, enfin j'ai lu le communiqué et le témoignage du garçon de 15 ans, et le mec te dit, voilà, il te dit j'étais choqué. Et bien sûr, quand il t'arrive un truc comme ça, t'es choqué. Il dit j'étais dans la rue aéré jusqu'à attendre le bus, et bien sûr c'est difficile de dire ouais, bah, j'étais à la soirée de Jerem Star. Et puis la peur de ne pas être cru aussi. Voilà, puis il y a les parents, le regard des parents aussi, quand t'es jeune. C'est très compliqué. Et puis vous savez qu'on parle beaucoup, de plus en plus, d'homosexualité. C'est la norme aujourd'hui. L'hétérosexualité et l'homosexualité sont la norme. En revanche, beaucoup de jeunes qui se découvrent homosexuels ne le vivent pas forcément bien. Il y a un temps, tout le monde n'arrive pas. Il y a l'annonce aux familles, les amis, l'entourage. Exactement. C'est toujours compliqué. Moi, j'en avais même parlé avec Benoît Dubois, qui est très ouvert sur ces sujets. Il nous l'avait dit ici d'ailleurs. Il nous l'avait dit. Ça met quand même. Il y a quand même une différence par rapport à la société. Donc les gens sont pas forcément à l'aise, surtout quand il y a des histoires comme ça de sexe, de pédophilie. Ma petite Rachel, et pour terminer. Et au-delà de ça, non seulement c'est la peur qui gagne les mineurs, mais en plus de ça, c'est des personnes qui veulent réussir. On leur promet des choses. Bien sûr. On leur promet de la télé, on les fait rêver des contre rencontres. Des relations sexuelles. Et à ce moment-là, quand on a moins de 18 ans et qu'on veut réussir, malheureusement, et là c'est là où ça devient très grave, et j'espère que tout le monde nous entend ce soir, il faut pas céder pour réussir, ce n'est pas possible. La plupart. Mais toutes les jeunes de télé-réalité, comme tu dis, ils sont quand même suivis par 2 millions de personnes, c'est de jeunes. C'est ça le drame. C'est ça le drame de notre société aujourd'hui. C'est ça le drame, c'est que les gens ont envie de devenir cette personnalité de télé-réalité, ont envie de ressembler à des gens qui ne sont rien. Alors, avant, moi, à mon époque, quand on était jeunes, on avait envie de ressembler à des chanteurs, à des acteurs, à des humoristes, des gens qui ont un talent, mais des gens qui ont un talent pour être passés devant une caméra enfermés pendant quelques jours dans un loft. Tu es une comédienne, je ne parle pas de toi, Rachel. Merci, mon cher. Et voilà, moi, ce qui me désole, c'est que les gens aujourd'hui soient comme des fous à tous suivre. Il a un scoop sur la télé-réalité, mais sur qui, sur quoi, sur personne? Je suis d'accord avec toi, et moi, ce qui me sidère encore plus, et c'est le cas avec les fans de Cyril Hanouna comme de Jerem Star, c'est que quand Jerem
Star dire un truc, ou même Cyril Hanouna. Ah non, Cyril a dit que c'était bien, alors c'est bien. Les mecs ne sont même plus leur propre avis. De toute manière, la société nous pousse à ne plus avoir notre propre avis. Pour terminer, la famille, combien de personnes à la sortie d'Énergie 12, des jeunes femmes magnifiques de 15, 20, qui me disaient comment on fait pour entrer dans les anges, comment on fait pour... c'est quand même... Moi, je leur disais, évidemment, n'y allez pas. Pour terminer, Marachelle, un mot. C'est ça, c'est que même moi, par exemple, je reçois des messages. Comment on fait pour se mettre en maillot de bain sur Énergie 12, par exemple? Non, mais c'est très grave. Elles ont 12, 13 ans, les gamines. Alors moi, c'est pas possible. C'est peut-être aussi, et ça, c'est un autre débat qu'on aura une prochaine fois, c'est peut-être, on est toujours en train de dire on est libre. Peut-être qu'à un moment donné, les parents devraient prendre en main leurs enfants. Clairement, on est dans une société aussi. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui, c'est je sais plus que toi, papa. C'est plus ça. Que toi, maman, et je fais ce que je veux. Quand il n'y a pas le jeu, t'emmerde. Merci la famille du bruit, s'il vous plaît. C'était notre débat. Jérém Star, les applaudissements semblent un petit peu faibles parce que ça nous fait pas rire. On n'a pas envie de jeter des confettis, évidemment. Et on vous tiendra, évidemment, informés de l'affaire. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.